Bonjour, aujourd'hui donc une autre astuce sur Excel. On va donc directement commencer. Je vais donc sélectionner ici une plage. Je vais faire donc égal alia. Je vais donc écrire ici des chiffres aléatoires qui sont aléatoires entre par exemple moins 50 et plus 50. Je ferme, je fais entrer. Voilà donc. Sur cette plage, je veux donc insérer ici des histogrammes. Si je fais donc des histogrammes, il me donne ici, c'est-à-dire la plage d'emplacement. Si je fais par exemple sur cette plage, voilà donc qu'est-ce qu'il me donne. Voilà. Je vais fusionner. Si je refais la même chose, je fais insertion, mais si positif et négatif, me donne l'emplacement ici. Voilà donc la différence. Je vais donc ici fusionner. Donc, pour les valeurs négatives en bas, les valeurs positives en haut. Si je veux par exemple à ce que ici les valeurs négatives soient en rouge, je fais ceci. Et je clique pour choisir celles qui sont en haut. Ok. Mais si je veux faire ça par courbe, je vais donc supprimer ceci. Donc, pour faire ça par courbe, je vais donc faire ici une condition égale si ceci supérieur à 0, point virgule, ceci. C'est non. Vite, je ferme la parenthèse, entrée. Voilà donc. Ici. Et la deuxième condition égale si ceci est inférieur ou égal à 0, point virgule. Ceci, c'est non 8. Ok. Voilà. Ensuite, je vais donc insérer ici un histogramme. Et dans cet histogramme, sélectionner, ajouter. Ici donc, je vais choisir cette plage. Voilà. Je vais donc colorer ceci en bleu. Supprimer ceci. Je vais donc sélectionner, ajouter la deuxième série. Donc c'est cette plage, voilà, ceci par le rouge. Ensuite je clique ici, mettre, et je vais donc changer un petit peu, voilà. Voilà donc, lorsque je clique changer les valeurs, voilà, qu'est-ce qu'elle donne. Donc c'est un petit peu, si je vais donc sélectionner, on passe un petit peu, voilà. Attendez, je vais donc sélectionner ici, est-ce que dans la position négative, la plasticité ici. Choisir une seule. Voilà. Création. Point négatif en rouge. Et ceci. Voilà. Pour voir la simulation entre les deux.
courbe. Voilà donc. Lorsque je clique sur F9, qu'est-ce qu'il me donne? C'est presque la même chose que ceci. OK. Sauf que ceci, je peux ajouter sélection. Si j'ai par exemple ici les dates, je sais pas, janvier. Par exemple, je peux donc faire sélectionner, ajouter ceci. Voilà donc la différence entre ceci et ceci. Voilà donc qu'est-ce qu'il donne. Mais je peux faire ça sans mettre ces deux conditions ici. OK. C'est le fait d'avoir de créer des noms. Ici, par exemple, je veux créer un nom. Le nom, c'est quoi? Égal si ceci supérieur à 0, point virgule. Ceci, c'est nom. Point virgule, attention, c'est point virgule. C'est nom 0. Ici, positif. Positif. Voilà. Et la même chose, attendez, faut pas que ce soit ici guillemé. Je vais répéter. Égal si je vois la parenthèse, ceci supérieur à 0. Point virgule. Ceci, c'est non 0. Ensuite, nouveau, c'est négatif, mais la même chose, sauf qu'ici, ouais, je répète, si ceci est inférieur ou égal à 0, point virgule, ceci, sinon 0. Négatif, voilà, donc il y a négatif et positif. Ensuite, dans cette courbe, je vais supprimer et supprimer. Donc, ajouter, je clique ici, je choisis une cellule au hasard, et j'efface jusqu'à point d'exclamation, et je mets le nom, positif. Attention, il ne faut pas avoir des heures au point d'exclamation. Et je vais le colorer en rouge. Je vais donc ajouter une sélection, une deuxième sélection. Ici, une plage, une cellule au hasard. Je supprime jusqu'à point d'exclamation. Et je mets négatif. Négatif. Attention, la même chose, il ne faut pas avoir des erreurs. Voilà. Une erreur. Négatif. Comme ça s'écrit au cours de création de nom. Négatif. Attention, je vais donc m'assurer de nom, formule, gestion de nom, négatif. Attention, il ne faut pas avoir ici le guillemet. Il ne faut pas aussi feuille. Égal si ceci est inférieur égal à 0, point virgule. Ceci, c'est non 0. Donc, sélection, ajouter, choisir sur le hasard dans la feuille, négatif. Voilà donc, ici, en rouge. Voilà, donc je peux effacer ceci. Et voilà donc, on est tranquille. OK, je peux donc créer F9 pour changer les numéros au hasard. Et c'est la même chose que ceci. Sauf que j'ai ici, je vais avoir sélection, modifier, voilà donc ici, voilà, sur F9. OK, à la prochaine donc.